Ah, vas-y. Ah oui, Je t'ai fait ton trou à travers. ouais, c'est pas. Bonjour les garçons, c'est la Strat Penthouse Theater dans Coastline. Fait que le setup, on commence par les murs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loading mag! 9, 10. Fait que premier. Les deux premiers renforcements, ceux-là. Sont là parce qu'on veut que si quelqu'un drop kitchen, il soit juste pris. Bathroom, je veux dire, il soit juste pris dedans. On veut pas qu'ils puissent rotate ici puis qu'ils aillent chercher deux angles. Là, on veut contrôler leur mouvement. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a. Ça, c'est renforcé. C'est parce que la strat, dans le fond, c'est une défense de penthouse. De VIP, je veux dire. Fait qu'en étant ici, on peut avoir des angles. Sur toute VIP, même chose en étant ici avec ces trous là, j'ai des angles, c'est moi qui joue ici, j'ai des angles sur une grosse partie de VIP. Puis quand ces trous là vont être moins larges, là on les a fait plus grands pour pouvoir rotate, mais on voudra pas qu'ils rotate, ça va juste être une ligne. Fait que, ouais, c'est ça, dans le fond, tout ça ici c'est ouvert, puis ça ici, il y a un vigile qui joue. Dans pool ou dans aquarium, là, c'est comme dans ce coin là. Fait qu'en gros, il n'y a pas de place dans VIP où ce qu'ils peuvent se tenir. Les castles sont représentés par des barricades vertes avec un coup. Fait qu'il y a un castle ici. Pourquoi est-ce qu'il y a un castle ici? Dans le fond, on veut pas qu'il soit dans VIP et qu'il puisse juste comme nous échapper une demi-seconde, c'est genre rentrer, 3 speed, courir ici. Non, non, on veut qu'il soit comme pogné. Il y a un castle ici dans la main window, je vais l'expliquer après. Puis un castle ici, ça empêche le rush rapide. Pour les Jaeger, il y a un Jaeger ici. Il y a un Jaeger juste là. Dans le fond, c'est pour Waste Last Charge ou Zofia. Puis, il était où le Last Jaeger? Ah oui, il est ici, c'est vrai. Faut pas qu'il smoke. Fait. Il y a aussi quelqu'un qui joue ici. C'était qui jouait ici? Ouais. Je pense que c'était Castle. Ouais, si, si il ouvre la window puis il joue vraiment window, tu pull back. Sauf qu'en étant ici, on... le Castle se garde un shield pour se le mettre collé ici. Ça lui donne une coupe de tight angle. La dernière fois qu'on avait fait de la strat, il y avait un angle mort là-bas où est-ce qu'on était pas capable de tirer d'aucun des miras. Sauf qu'en mettant le shield là, ça cancelle ça, fait que le VIP est vraiment complètement couvert. Il y a plus, c'est plus safe pendant tout. Puis la manière de jouer. Puis pour le late push. Pour le late push. C'est pas au début, tu sais, c'est sûr que si le castle il start le round, le drone phase est pas fini, puis il est ici, il va se faire smack là. En fond, tu sais, il peut commencer ailleurs, là, whatever où. Puis c'est juste comme quand on sait là, qu'ils reprocheront pas la hatch, on est rendu dans un corridor, ben cette position là va être vraiment super forte là. Au travers du petit meuble en plus, là, c'est vraiment nice. Le Jaeger Roam, genre Roam Support. Puis c'est pas mal ça. 3 on-site, 2 roamers. Puis c'est pas mal ça. Le reste c'est assez classique.